Tiens, aïe, arrête. C'est moi, je vais balayer ta mère, t'as cru que t'étais qui là? C'est bon, tranquille. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tête de ma mère! Ah, ma joie! Pourquoi vous restez en plein milieu de la route là? Je suis en train de faire une course là, monsieur l'agent. Vas-y, ouvre ta caisse là. J'ai niqué ma voiture à cause de toi. J'ai perdu. T'es sérieux là? Eh, parle bien de ma voiture, parle bien de ma voiture. C'est quoi ce pige? Il croit il a des de sa chacal? Vous pensez vraiment? Monsieur l'agent, allez-y, poursuivez-le. Délit de fuite. Allez-y. Ouais, on s'est fait renverser, je me suis fait renverser par l'autre pige là, avec la voiture blanche que vous avez vue là. Ouais, bah vas-y, on y va. Oh, il m'a écrasé aussi. Si vous rentrez, je vous tose, ok. Vas-y, on y va. Bon, ok. Non, mais ma voiture elle marche pas et je dois porter plainte contre lui, monsieur l'agent. S'il vous plaît, emmenez-moi. Mais un délit de fuite, putain, mais il est con quoi, avec ton crâne chauve là. Mais t'es con, vas-y, une tarasse là maintenant. Bouge de là. Pas possible. C'est lui, hein. J'ai perdu. Eh, ma voiture, sale bâtard, vas-y, dégage. Putain, c'est quoi, sale bâtard. Vas-y, dégage. Alors là, je vais le fumer, non? Là, le petit pige, il va rien comprendre. Vas-y, reste là. Eh, la tête de ma mère. Vas-y, déconne pas, frère. Vas-y. On va faire la course, t'es prêt? Vas-y. À mon signal. T'es prêt ou pas? Messieurs, c'est quoi ce... Eh, commence pas à nous casser les couilles, on fait une course là. Casse pas les couilles, toi. Comment ça? On fait une course. Descendez du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. La tête de ma mère, je vais lui rentrer monsieur, dans. Eh, frère, attends, t'as vu comment. Descendez du véhicule. On fait une course. Allô, monsieur, on a le droit ici, gros. Vous avez on a parlé droit, au flic, au chauve. Au chauve, il nous a dit que c'était possible. Descendez d'ici, monsieur. Descendez du véhicule, s'il vous plaît. Bon, tu sais quoi, vas-y, on y va quand même. 3, 2, 1. J'ai gagné! Descendez-vous aussi, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez gentiment vous mettre contre le mur. Bon, déjà, vous me parlez autrement. Mettez-vous contre le mur, monsieur. Monsieur, je suis dans l'obligation de vous arrêter, vous n'avez pas un casque. Première vous n'avez pas un casque. Monsieur, vous devez mettre un casque en moto. Première sommation, mettez-vous contre le mur, monsieur. Vas-y, frère, vas-y, viens, on se met contre le mur. Écoute. Contre le mur. Contre la gueule que t'as, frère. Eh, garde ton bandana, frère, parce que ta gueule est. T'es overshum en fait, j'avais pas vu de près comment t'es moche. D'accord, outrage à la jambe, d'accord, c'est très bien. Non, je parlais à mon collègue, là, regardez, il a des agrafes dans le visage. Oh mon dieu, la gueule que t'as, frère. T'es sérieux, vous avez le droit de vous habiller comme ça chez les flics là vous... Ah, c'est pas lui, énorme, c'est lui, le violeur. C'est lui là ouais, non, l'embarque. J'ai rien violé, qu'est-ce que tu racontes. D'accord, embarque-le. J'ai juste violé ce mec là, mais il était comme ça. Embarque-le. Prends-le dans la voiture. Attends, bougez pas, vous levez les bras. J'ai violé cet enfant, il m'a dit que c'était bon. Il m'a dit que c'était bon. Allez. Aïe, arrêtez. Vous, monsieur, on va procéder à une fouille. Vous mettez quoi de le mur, s'il vous plaît, gentiment. Mais je vais mettre dans la voiture. Ouais, ouais, attends-moi, tu m'attends. Mais je mets juste dans la voiture, n'attends. La tête de ma mère, elle a du sperme. Je vous assure qu'il y a du sperme. Allez voir dans son UX. Mais il était d'accord, la tête de ma mère, il était d'accord. T'envoies un message à la fille. Tu lui dis qu'on l'a, le mec. Ouais, j'ai lui envoyé. Attache la ceinture. Oh non, me dis pas qu'il y a la meuf qui a porté plainte contre moi, les gars, sérieusement. Ah si, monsieur. Mais c'est pas que t'as mis toi, je vais récupérer des thunes cette pute pour acheter des boutons. Je vais vous demander de garder le silence. Dans cette ville, on a plus le droit de draguer une meuf. Alors comment tu fais toi alors? Dis-moi, explique-moi. Non, c'est plus draguer là, monsieur, carrément c'est. Mais j'ai simplement juste aller boire un verre de sperme. Mais c'était même pas le mien, le sperme, c'était même pas le mien, la tête de ma mère, c'était pas le mien. Oh, il pleut en plus là, il y a de la flotte. Oh les gars, mes vêtements là, je suis tout mouillé. Par contre, au niveau de la gueule, la norme, c'est normal ou quoi, vous êtes tatoué comme ça, monsieur? Vous êtes tatoué comme des schlags là, il se passe quoi? Pourquoi vous faites ça? Et ton habit avec tes claquettes, on en parle, non? POUM POUM POUM.
J'ai la classe, gros, ça. C'est une dégaine de racaille. Oui, oui, c'est pour ça qu'elle t'a recalé, ouais, c'est pour ça. Ah. Non, elle était intéressée, je lui ai fait une petite danse, il a fallu que vous veniez tout déranger alors que j'étais en train de danser du Michael Jackson. The way you make me feel, the way you make me feel. C'est de rien, ouais, stop, stop, taisez-vous. Ouh, Michael Jackson. Monsieur, taisez-vous. Ouais, il a rien sur lui. Cheeseburger. Hey, un coquin. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec de merde? Il m'a reculé alors qu'il m'a pas dit bonjour. Je l'emmène ici ou je l'emmène... Mais le seul endroit où tu pourras la trouver. Arrête, c'est dans une banque de sperme. Ouais, ramène-la ici. Okay. Ramène-la ici. Elle sert de cobaye dans des pipe shows pour qu'on puisse sortir notre jeans dans des banques de sperme, cette meuf. Je la connais. Elle fait ça pour me faire chier, pour avoir de l'argent derrière. Ça m'énerve de ouf. Eh, monsieur l'agent, est-ce que vous savez que la végétaline, c'est cancérigène? Mais le sperme, ça fait grandir. C'est les plus grands scientifiques qui l'ont dit. Enfin, c'est ce que j'ai lu, regardé à la télévision, bien sûr. Ah, je fais des menottes. Par contre, je voulais savoir, monsieur l'agent, c'est l'hôpital des grands brûlés. Pourquoi vous avez des gueules comme ça? Allez, hop là. Aïe, non, 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 tranquille, tranquille, tranquille. Aïe, ah, c'est bon, c'est bon. Eh, la meuf là, la tête de ma mère, toi, je vais te retrouver. Ouais, ouais. Ah, des menaces en plus, vous faites des menaces. La meuf, elle m'a parlé, elle a commencé à diffamer sur moi. Eh, viens ici là. La tête de ma mère, toi, tu vas voir, toi. Je te balaye sa mère là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas à me menacer maintenant. Non, mais vous menacez, c'est très bien, monsieur, c'est très bien. Ça rajoute. Monsieur l'agent, je vais rester calme. On va trouver un terrain d'entente. Non, il y aura pas de terrain d'entente là. Là, vous avez mais carrément alors, confrontez-moi avec la meuf, que je vous explique un peu la situation. Monsieur l'agent, j'ai envie de faire pipi, les gars, ça sert là. Ça me sort les mains, j'ai envie de faire pipi. Ah, ben justement, il y a des toilettes juste à côté, je vais te démonoter. Ouais, merci pour que je sois libre des mouvements. Je peux même pas manger, ma. Tu t'en rien qu'un truc, je te jure, tu te manges la matraque. Je te préviens. Ça va, tranquille, tranquille. Non, mais je te préviens, je t'aurais prévenu. Je vous ai rien fait, la police, sérieux. J'ai juste parlé à une meuf, tranquille, les gars, ça va. Trop loin, une garde à vue pour ça. Ah, mais, non, mais c'est pas ça, bien, pas ça. C'est une meuf. C'est qu'il est en sens inverse. Mais vous êtes pas témoin, c'est pas ce qu'elle a fait la meuf. Elle m'a insulté, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle avait les familles, elle allait me buter. Laisse-moi parler. La meuf. Vous avez accepté que sa version, ça me casse les couilles là. Laisse-moi parler. Bah, je suis énervé là. Il y sort lui. La meuf, c'est ta daronne, ok? La meuf, c'est ta mère. Et t'aimerais bien que ta mère, elle se fasse suivre par un mec comme toi, et que soit H24 comme ça. Mais elle m'a chauffé, t'as pas vu le boule qu'elle a, gros? Elle était là en train de dandiner du cul. Moi, je dois faire quoi? T'as une bite ou pas? T'as une petite bite, tu vas comprendre. Mais quand on te chauffe le zgeg comme ça, gros, t'es obligé d'agir. C'est une bonne meuf. Tu t'entends parler? C'est une bonne meuf, mais normal, je le bande. Je suis excité, quoi. J'ai envie de la draguer, normal. Je la trouve à mon goût. Oui, excuse-moi. En plus, celle qui m'a chauffé en plus. Celle qui m'a parlé en premier. Ah, j'ai rien fait. Donc sous prétexte que la meuf elle a un bon petit boule, on a plus le droit de la toucher, normal. Vas-y, ça me casse les couilles, c'est quoi cette ville de merde? Eh, c'est le pays de la liberté de touchage de boule. J'ai dit qu'elle avait un bon boule. Un bon boule, c'est une insulte maintenant. Si je te dis que t'as un bon boule, j'aimerais bien le toucher, de lécher, de faire un rim job. Donc ça c'est une insulte, ça veut dire que je suis excité. Je trouve à mon goût. C'est la sexualité, la liberté de sexualité. J'ai le droit d'être gay et d'aimer les meufs. Mais là, t'es pas gay. Bah, si, des fois, ça dépend. Quand je suis en prison, ouais. Et là, vu que t'es dans ma cellule, j'ai bien envie de te faire le boule. Il vous a cité les droits Miranda? Non, bah, justement, je voulais jouer là-dessus pour partir. Je vais te baiser. Bon, bah, je vais te citer les droits Miranda. Non, s'il te plaît. Tu pourras pas. S'il te plaît, non, 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 comme ça, je peux le niquer. Monsieur, il a genre. Non, j'ai pas entendu les droits Miranda. On est quel jour déjà? On est mercredi, monsieur. Il est 16h47. Vous êtes en état d'arrestation. Pour les faits moi que si j'étais un homme, pour pervers un vrai gros gay, d'un bateau vert et blanc, trou de balle en public, vous avez dit, trou de balle. Ouais, et sera roté du contrebeu, vous avez le droit à un avocat devant. Vous avez un vrai problème avec les trous de balle, monsieur l'agent. Un avocat vous sera commis d'office, vous avez le droit à des soins médicaux et à boire et à manger. Avez-vous bien compris vos droits? Non, parce que ça vous avez un peu bugué dans tous les sens et j'ai rien compris, j'ai juste compris trou de balle. Ok, bon, au revoir. Vous sortez, je vous ai dit, vous sortez à... Non, mais il faut qu'on parle à la meuf, il faut qu'on fasse la confrontation. Mais non. Pas le choix, bah faut y aller, hein. Je voulais pas faire ça au début, mais bon. À chaque fois, on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Je suis frais, non? Franchement. Ouais, c'est bon, dans la meilleure marchandise, faut trouver la meuf là, vite. Vas-y. Ouais, continue. Vas-y, arrête-toi au pire. Deuxième. Arrête-toi. Désolé, ah bah encore vous. Eh, Bachir, ouvre la porte. Bachir.
Putain, je panique de ouf. Je crois que je l'ai semé là. Je crois qu'il me verra pas d'ici. Ah, il est là, il est là. Ah, le. Allez, Speedy, arrêtez-vous. Mais monsieur. Bougez plus, bougez plus. Ouais, qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Vous avez un problème? Allez. Aïe. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes plus en prison? Bah, parce qu'on m'a libéré. Qui vous a libéré? Bah, un de vos agents. Il m'a donné une épingle à nourrice pour que je puisse m'échapper tranquille. C'est le chauve. Ah, pendant qu'il parlait. Bon, toi déjà, délit. Évasion. Non, c'est pas une fuite. Non, j'ai le droit. Vas-y. Non, t'as pas le droit. Mais le chauve, il m'a passé une épingle à nourrice. Il m'a dit, vas-y, entraîne-toi. Bon, allez. Je lui ai dit, ouais, dans les quartiers, on m'a déjà emprisonné et je sais bien le faire. Ça va dégénérer. Je fais partie d'un gang. Fais gaffe s'il part, on se rejoint comme il faut. Non, mais tranquille, je partirai pas. Mais je vous dis, monsieur l'agent, monsieur le chauve, moi je m'entends bien avec vous. On a bien sympathisé à l'entrée, à l'accueil. Donc dites à votre collègue qu'il arrête de m'enfermer. Et... Aïe! Regardez ce qu'il vient de faire. Il m'a écrasé, il m'a mis une béquille. Aïe! C'est normal ça? Ah, bon, ça allez, lance! Dans le véhicule. Bah, j'ai tendance à bloquer. C'est bon, vous pouvez rentrer. Allez-y. Vous avez tendance à bloquer. Hey Hitman, rentre dans le véhicule là! C'est l'agent, c'est bon? Ah bah enfin, putain! Bon! On va discuter, vous et moi, on va faire moi un marché. Je voulais vous dire, monsieur l'agent. D'accord, ok, bon. En fait, il est vraiment aveugle, ce con. What the fuck? Monsieur le chauve, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites, là? Bon, on fait quoi, là? Je comprends pas la suite, là. Bon, je vous suis. Vous êtes bourré, monsieur l'agent? Parce que je vous suis et je sais pas où... Quoi? Bon, allez, allez, hop, ça file. Commencez pas à faire genre Zarma, vous avez l'autorité alors que vous faites la circulation. Hop, lieutenant, venez. J'ai une question intime à vous poser, monsieur l'agent. Parce que vu qu'on s'entend bien. Allez. Pour réduire ma peine. Rentrez là-dedans. Y'a personne dans le comico. Y'a moins que. Bah, je vous la suce. Allez, je vous la suce. Peine, vous restez 3 heures. Non, c'est bon. Je voulais dire, y'a moyen d'avoir une sucette pour sucer, ouais, pour patienter. Ouais. En fait, c'était un de vos chefs, je sais pas comment il s'appelait, je crois, Michael Adams. Il m'a dit, ouais, tiens, on va faire un test, essaie de t'échapper avec ça. Et j'ai réussi, vu que je suis un délinquant. J'ai déjà fait, en fait. Prendre tentative d'évasion. Pas tentative. Non, tentative d'exercice d'évasion, en fait. Donc c'est différent, c'est bien, ça passe. Du coup, il sera bon de 1 million plus prison à vie. Quoi? Attends, il saoule ma gueule, lui. Attends. La tête de la mère, il saoule ma gueule, attends. Tiens le regard, je te dis, tiens le regard. Déjà, enlève tes 1 million. Tiens le regard, regarde-moi déjà. C'est pas l'abus, en général, je suis à 5 contre 1 contre une victime. Mais là, je vais tenter le 1-1. Allez, c'est parti. Attends. One, j'aime pas ça. Aïe. Hop, allez. 50 piges, j'en ai dans les pattes, j'en ai dans les bras. La tête de ma mère, on va se retrouver, toi. Un peu simple. Ton père, c'est une gogo danseuse. Ton père qui se surnommait KDR. Il est là pour mettre la zermie. Oh plan, papy souplesse. Papy souplesse, c'est ça. Putain, tu te sers une petite gogo danseuse, ça se croit chaud, c'est ça, papy souplesse? Ça se croit chaud? Bon, c'est bon, j'ai purgé ma peine, je peux y aller, les gars. Vous êtes calme. Je vais la mettre dans une cage, les gars. Permis de conduire. Vous commencez à m'énerver, les gars, vous allez sortir la haine et le bandit qui est en moi. Tu mets un outrage agent, parce que c'est grave ce qu'il dit. Ouais. Mets un outrage agent. Mets deux outrages agents. Permis de conduire. C'est pour faire un truc grave. Eh, tu sais quoi, rajoute un troisième là. Allez, tu sais quoi, je vais rajouter une troisième voiture. Wesh. C'est qui ça? Ah, c'est Pascal Olmeta. Eh, Olmeta, tranquille, viens m'aider s'il te plaît. Olmeta, viens m'aider s'il te plaît. Quoi? Ouais, tu peux les dégommer, sérieux. Mets-leur des patates pour les corriger. Je sais pas c'est qui ce mec. Qui lui là? Ouais, il me casse les couilles. Ok. Sors là. Tu m'entends? Sors. Tu m'entends? Première sommation. Voilà. Tu vois ce qu'on fait aux gens comme toi, maintenant t'arrêtes de faire n'importe quoi. Arrête, sinon je vais... Toi aussi. Oh mais nique ta mère. Aïe, j'ai la tête qui tourne, je me souviens plus de rien, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans un rêve, j'étais en train de sucer un agent de police. Ah bah c'était vous. Bon alors, on va reprendre. Eh le mec chauve là qui est musclé là, tu peux m'aider s'il te plaît à sortir depuis tout à l'heure, ils font de la merde. En gros là je t'explique, lui il m'a arrêté pour rien alors que j'étais avec une meuf tranquille. Alors ouais je l'ai pointé du regard, il pense que je l'ai violé. Du coup ils m'ont arrêté, c'est con. Ouais. Alors que j'étais en train de la draguer normal. Tu dis que tu vas la violer et la mettre dans une cage. J'ai jamais dit ça. Donc si, monsieur Musclor, vous pouvez le défoncer lui là, ce policier, non. Et le libérer. Merci. C'est lui qui va décider de ton cas. Je vous suce tous les deux les gars et vous me laissez passer. T'as cru qu'on était tes salopes ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on fasse un petit tête-tête là? Un petit one-one? Qu'est-ce qu'il y a là? Vas-y, viens, on fait un one-one.
2 seconds later. Aïe, mais Chico, les gars, je suis pas votre victime, s'il vous plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, GMK, s'il te plaît. Casse-toi, casse-toi. C'est bon, ouais, il m'a dit que je vais partir. C'est... Casse-toi très vite. Ouais, je suis bientôt libre. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je m'en bats les couilles, gros, le magasin, il y a un vendeur qui m'attend là pour vendre pour la voiture là, pour faire une modification de mon pot d'échappement. Qu'est-ce que tu branles ici là? Mais c'est pas mécano. Attends, par contre, vous allez sortir tout de suite de mon. De quoi, T'es qui? T'es qui? Dis-moi, pourquoi t'as un cosplay policier? Cosplay, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis à l'SPJ et mécano, il y a un problème. Comment ça, l'SPJ? Montre-moi ton matricule, ton badge là, mets-moi ta plaque. Très bien, je suis commandant, ça se voit pas à détourner. Toi, t'es commandant avec ta voix de pige là, tu fous de ma gueule? Ok, alors toi, tu vas prendre la bonne. Comment ça? Mais attends, je te dis les choses clairement. J'attends quelqu'un en fait, je dois faire ma scène. Comment? Ah, t'es vraiment commandant? Ah, oui, mais désolé, gros. Ah, mais tu dis. Ah, ouais, d'accord, c'est bon, je t'ai reconnu. Peut-être tu m'avais payé sur Discord. Ok, je savais pas. Mais ton taf, dis-moi ton taf, parce que l'impression que tu. Dis-moi ton taf. LSPD est vendeur de véhicules. LSPD est vendeur de véhicules. Mais comment c'est possible de faire les deux? Mais c'est impossible, ARP. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, putain? Tu veux que je te sorte mes armes? Regarde, ça c'est quoi? Mais jamais, il y a deux tafs, gros. Jamais tu peux être vendeur. Mais qu'est-ce que tu me racontes, gros? C'est comme si j'étais fleuriste en même temps vendeur de kebab. Mais dis pas des conneries. A few moments later. Vous étiez game sur l'agent. Qu'est-ce qui se passe là? Appelle les renforts, on reprendra la scène RP après. Je reste avec toi pendant ce temps. Bon, si, quand on reprendra la scène, gros, on prendra sur. Tu te fais violer par trois vieux, trois schlags, ok? Ah, c'est fini pour moi, c'est bon. Ah bah. J'ai été cliqué, désolé.